Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h11, je vous l'ai annoncé tout à l'heure, il a fait son entrée dans le studio de la matinale. Bonjour Christophe Hamon. Bonjour Stéphane, bonjour Frédéric, et bonjour à surtout à ceux qui nous voient et à ceux qui ne nous voient pas. Faut pas être sectaire. Eh non, aujourd'hui, sacré cheva. Ouais, sacré cheva. Mais hier un matin, je me suis pris pour un pounaim. Là, il est venu de même, je ne sais pas. Générique, Frédéric. Jusqu'à matin, je criais un homme. Générique, Frédéric. Bon, je fais mieux le cheval que l'aune. Et là, ça désenjane de savoir là, quand même. Je sais mentir plus cheval qu'aune. Oui, voilà, c'est peut-être un beau compliment que vous vous faites, finalement. Voilà. Je sais désenjaner, année, donc du coup, comme je sais un cheval, plus qu'un âne. Je ne sais pas un enjaner, donc faut pas craindre. Hein. Pourtant, j'ai toujours été enjané, moi. Toujours. Quelque, je sais plus Christophe que enjané. L'année pas fin, tout est là. Bon, revenons à nos berbis, à nos chevaux. À nos chevaux. Ouais. Ah ben ils sont là, ils ont perchin de moi, là. La ménagerie de Christophe Hamon tous les matins dans le studio, c'est quelque chose. La ménagerie est là. Ben je reviens avec ma remorque. Revenons à nos chevaux. À nos chevaux, grammaticalement, est mieux. Bon, ils ont eu du bien autant hier. Hein. Il y en avait du monde dans le bourg. T'es pien, le bourg. T'es pien. En verlan, t'es pien, là, se dit pienté. Pienté, oui. Voilà, comme Plintel. Disent les Gianes. Plintel, mais Plintel, oui. Ils parlent verlan, les Gianes. Il y en avait de la boustifoille, mais il y en avait qui s'en allaient à le ventre saou. Hein. Éventuellement, il y en avait qui avaient plus que le ventre de saou, à mon avis. Il y avait Tchokzin là. Ah, pienté, le ventre saou. Ouais. Je pourrais avoir des petites de guaisons de pouchettes, d'argent de poche, et la foire de pienté, il y en a qui demandaient à Loukouef. Tu dis bien, de l'argent de poche, ouais, du gaison pour poche, ouais. Une poche, voilà ce que t'es, une poche sous deux pattes. Tiens, allez donc, empochez là. Tu vas encore t'y retourner à quatre pattes, ça me préchoit, dame. Et Eni Vici, Eni Vini Vici, et comme est là qu'on dit. Et on entend les sabots. Hein. Voilà. Tu te fous de moi, mesdames, l'année pas aisée, elle marchait à quatre pattes. Aux 4 grammes sur 4 pattes, ben là, il est dû, ça. Alors, rentrez compte la derse qu'il faut. Il faut être adré, dame. Déjà que celui d'une patte n'est pas facile. Pour articuler tout là, alors, patte avant gauche, patte avant droite. Hein, mais je n'ai plus souvenance qu'aux 4 grammes, je n'ai plus souvenance qu'il faut bouger les patins de Dérène, moi. Ah oui, il faut que ça suive. Ben. Alors, corps, patin avant gauche, et là, tu commences à trembler, le cheval, et paf, et flac, le cheval, le nez dans la prairie. Eh ben, je peux te dire que... On voulait délonger tout son long, les nauséaux dans la prairie. Ben heureusement qu'il ne chayait pas de plaie ce jour-là. Hein. Parce que la prairie aurait été bouillonneuse et je te parle pas de la gouge du cheval. Hein. Je ne vous raconte pas la tête du cheval. Sans compter la bourgeoise, quand tu te t'éroues dans une situation de même, ben est une situation grandiose. Il n'y a pas beaucoup de monde à vouloir te mettre sur bout. Oh, j'en perds mes mots, hein, du coup. T'as bien où venir, mesdames. Le nez dans l'herbe, il n'y a pas grand monde à douir. Hein. T'as plus qu'à pète. Et là, tu songes à ta couef, qui est bien au chaud, au bal, à guincher, ou un cavalier. Poulain flirte avec taille, je ferai n'importe quelle. Poulain fleur à hauteille, je serai prêt à tout pour un simple rendou. Poulain petit tour au petit jour, enter tes pattes. La 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 la
Poulain petit jour, tout au petit jour, enterre tes pattes. Bon, bah, on v'là assez. Allez, à demain. À demain. V'là qu'est dit, v'là qu'est chanté. C'était Christophe Hamon sous les applaudissements de l'équipe du matin de Bretagne 5. Vous étiez particulièrement en forme. On a entendu les hennissements des chevaux, on a entendu les biquettes. Voilà, amis auditeurs. On a entendu les biquettes tout à l'heure. Ah, vous avez vu les biquettes. Oui, dans votre morgue. Dans votre morgue, voilà. Christophe Hamon qui nous livrait ce matin sa version de la foire au poulain de Plaintel avec une démarche, comment dire, un peu hasardeuse, mais voilà. Claudiquante. On vous retrouve, Christophe, demain à la même heure sur l'antenne de Bretagne 5 et puis pour le podcast, bien entendu, sur bretagne5.fr et même la vidéo, je vous assure, ça vaut quand même la peine. Ça se trouve sur la chaîne YouTube de Bretagne 5. À demain et belle journée. Belle journée à toi, à demain. Bretagne 5 matin. Stéphane Hamon.